Oh oh, un animal est en danger. Encore désolé, on passera prendre des boissons plus tard. C'est parti les Petronix, tous au patrouilleur. On a atterri en Alaska. Voyons un peu ce qui se passe. Un caribou! Waouh, j'en connais un qui est fou des caribous, hein. Oui, tu m'étonnes, j'ai toujours rêvé d'en prendre un en photo. C'est la période de la migration. Les caribous font un très long voyage pour rejoindre leur pâturage. Ils doivent rester groupés pour ne pas se perdre. Pourquoi celui-là ne traverse pas là où il a pied comme tous les autres? On va voir ce qu'il en est. J'ai besoin de deux d'entre vous, Gia. Super, aussi moi. Tim. Génial. Tu vas enfin pouvoir réaliser ton rêve et rencontrer un caribou en chair et en os. Oh, trop mignon, je craque. Quittez-moi, on va rester dans le patrouilleur pour vous donner un coup de main. Petronix, au secours. Des caribous. À nous de jouer. Tim, attends-nous quand même! Il est là-bas! Tu sais que l'autre nom du caribou, c'est le renne! On va éviter de trop s'approcher! Petronix, vision, activation! Waouh! Ce bébé caribou est tout seul! Et il a peur de l'eau! Ah, c'est pour ça qu'il ne traverse pas la rivière! C'est étrange que les autres caribous ne reviennent pas le chercher! Ça veut dire qu'on va devoir l'aider à traverser pour qu'il puisse les rejoindre. Je m'en occupe. Mais Tim, rien de cassé. Non, attends, je l'ai pas fait exprès. Reviens. C'est pas possible d'être aussi maladroit. Oups, oh, j'ai encore tout gâché. En tout cas, maintenant, on est sûr qu'il ne mettra pas un sabot dans l'eau. À nous de trouver un moyen de le faire traverser. Emma, une idée? Je vais y réfléchir. Mais s'il a vraiment peur de l'eau, il n'y arrivera pas tout seul. On verra ça plus tard. En attendant, Polly va le retrouver vite fait. Pas vrai, Polly? Polly! Facile, il n'y a qu'à le suivre. Bien regarder, il s'est calmé. Si je fais doucement, je pourrais prendre la photo de mes rêves. Carrie, beau travail, Polly.